Non, ça, c'est pas seulement dans Ramadan. Les femmes qui ne s'habillent pas normalement, dans Ramadan, en dehors de Ramadan, on doit baisser le regard. Ibn Abbas a dit quelque chose de... On n'a pas pensé à ça souvent. Il dit, hein, si l'un de nous regarde une femme mal habillée qui passe devant ses yeux, il apprécie, comme certains gens qui sont malades, Allahu Akbar, Subhanallah, il apprécie ça. Devant Allah, il est pire que cette femme-là. Devant Allah, il est pire que cette femme. Parce que la femme-là corrompt la terre, il doit pleurer. Mais s'il est ébloui, ça veut dire qu'il est plus malade qu'elle. Son péché devant Allah dépasse le péché de la femme. Il faut baisser le regard, ça c'est dans Ramadan, en dehors de Ramadan. Et la femme, le regard de la femme, c'est une flèche dangereuse. Il faut qu'on s'éduque à baisser le regard. C'est un peu difficile, mais on doit s'éduquer. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة